Bonjour, bienvenue au Japan Expo et bienvenue dans cette émission d'Ending Games. Alors je rappelle le principe très rapidement. Premièrement, le jeu vidéo qu'on va tester est tiré d'un animé. Deuxièmement, le joueur testeur ne connaît absolument pas le jeu. Et enfin, il aura 5 minutes chrono pour tester le jeu. Tout de suite, on accueille donc Alix, enchanté. Enchanté. Voilà, qui va de Kazé, qui va nous tester le jeu. Alors tout de suite, je te passe le jeu qui est caché dans le chapeau de Chopper. De Chopper. Alors est-ce que tu connais ce jeu ? Je connais Macross, mais je connais pas le jeu. Donc c'est Macross sur PlayStation 2. Eh bien, très bien. Allez, on va pouvoir tester. Eh bien, nous voilà donc pour le test de Macross en compagnie d'Alix de Kazé. Enchanté. Voilà. Donc, Macross sur PlayStation 2, tiré du manga que tu connais alors ? Ben, je connais. Pour moi, Macross est d'abord Robotech. J'ai découvert ça, c'était un des premiers animés. Sous le nom de Robotech, c'était un peu massacré par... Les éditeurs d'origine et les chaînes de télé d'origine. C'est aussi une série que j'ai redécouvert ensuite sous le vrai nom d'origine Macross. Et là, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié. Et voilà. Alors, c'est un univers Mika. Là, on peut zapper l'intro qui est quand même très très belle. C'est un univers de science-fiction. Alors, appuie sur Start. Hop, voilà. Dans le menu, en fait, il y a différentes choses que l'on peut faire, appuie sur Start, voilà. Donc on a le mode histoire que l'on va faire, il y a un mode tutoriel qui va t'apprendre en fait à manipuler l'engin, mais je vais t'expliquer dans un instant. Il y a aussi en fait, tu peux éditer des joueurs, et puis il y a le mode option, bon ça ne nous intéresse pas. Mais il y a quelque chose qui est quand même extraordinaire tout de suite que l'on entend dans le jeu. C'est la musique. Ouais, c'est la musique. Tu t'aimes bien toi le... Ouais, j'aime beaucoup les musiques de fond de jeux vidéo, de séries télé. J'ai beaucoup adoré les musiques de fond de Battlestar Galactica, par exemple. Ça donne vraiment un univers vraiment space opéra et en même temps un peu ethnique. On va appuyer sur Start. C'est un peu la même chose avec les musiques de Macross. Alors, ce sont les musiques originales de Macross. Alors là, donc, bien sûr, c'est la version japonaise de Macross. Ça parle en japonais, n'empêche qu'il est en train de nous réexpliquer l'histoire. Tu la connais peut-être un peu l'histoire. On va zapper avec le bouton rond avec le bouton triangle, pardon. C'est quoi l'histoire de Macross? Est-ce que tu peux nous dire? Si je me souviens bien, c'est une forteresse spatiale qui s'écrase sur Terre. Elle appartient aux Entradis. Exactement. Les humains, pendant retrouvent les ruines de la forteresse, s'unissent dans une organisation paisible et réunissent des fonds pour s'entendre pour reconstruire la forteresse. Oui. Et le jour de l'organisation du lancement de la forteresse sur Terre, la Terre soit attaquée par les Entradiens qui veulent récupérer la forteresse. Oui, on peut appuyer en même temps, on peut appuyer tout ça. Mais effectivement, tu connais très bien l'histoire en fait, c'est exactement ça. Alors, vas-y. Voilà, donc on va zapper tout ça. Donc on va commencer par la première mission où en fait les Entradiens reviennent sur Terre et tu vas devoir en fait appuyer sur le triangle pour les Entradiens reviennent sur Terre pour finalement reprendre leur forteresse Macross. Et donc nous on va devoir avec un Valkyrie vas-y triangle sur le triangle. On va devoir combattre contre eux. Alors, avec effectivement ce Valkyrie qui a trois transformations possibles. Donc là, regarde un petit peu cette intro vraiment super bien faite. On est sur PlayStation 2, hein, c'est vraiment génial. Hein. Donc l'avion va décoller. Il y a trois transformations, je disais, l'engin du Valkyrie. La première, l'avion. La deuxième, est-ce que tu... C'est mi-avion, mi-robot. Voilà, mi-avion, mi-robot. Et puis, donc la troisième, robot. Le robot. Donc, il y a, des choses. Alors, à vos marques. Prêt, jouez. Donc, ici, dans la première mission, donc on va piloter l'avion. Et on va avoir, en fait, un curseur rouge, en gros. Ça, c'est lui. Alors, ça joue, en fait, avec le bouton analogique. Comment on avance?
Alors, pour avancer, en fait, il n'y a pas besoin de... On peut se laisser guider. Ce qu'il faut surtout, c'est diriger le curseur rouge et bleu, là, pour l'instant, pour taper, lancer des missiles, en fait, contre les ennemis. Alors, les ennemis, on les voit, ce sont des sortes d'hexagones. Et comment on lance les avions? Alors, pour lancer les missiles, c'est le bouton rond. Mais faut, en fait, c'est des missiles à tête chercheuse. Alors, regarde un petit peu l'animation de ces missiles. Tu trouves ça comment? C'est très bien. C'est vraiment super bien fait. Alors, bien sûr, c'est un jeu en 3D qui rappelle un peu un jeu sorti par Sega. Alors, c'est Sega qui a produit ce jeu. Un jeu qui s'appelle Afterburner. Mm-hmm. Et vas-y, là, tu peux continuer à shooter contre les ennemis. En fait, dans le premier stage, tu ne peux pas te transformer, en fait. C'est-à-dire que tu restes, en avion. Par contre, dans la deuxième mission, une fois que tu auras terminé celle-là, tu auras une deuxième mission. En fait, en tout, il y en a 12. Dans la deuxième mission, là, tu pourras prendre la forme mi-robot-robot, comme tu le souhaites. Et en fait, tu seras dans les rues d'une ville. J'en dis pas plus. Ouais. On va se concentrer sur le premier stage, où là, tu as 735 missiles. On est tout en haut à droite, au niveau de l'écran. Tu as 735 en réserve, donc là, tu peux vraiment shooter autant que tu veux. Donc voilà, donc on se dirige autour de l'île pour finalement torpiller, on va dire comme ça, lancer des missiles contre les ennemis. Alors, tu as plusieurs boutons. Mm-hmm. Je t'ai parlé du rond, vas-y, on continue à jouer. Du rond pour shooter contre les ennemis. Et tu as également en fait un boost qui te permet d'accélérer pendant un court instant. Tu as également le frein à main. Mm-hmm. Bon, un avion, ça se dit pas trop. Donc une sorte de rétro boost qui permet vraiment de freiner pour éviter les ennemis, parce qu'à un certain moment donné, il va y avoir des sortes de collisions, c'est-à-dire que les ennemis peuvent carrément te rentrer dedans. D'accord. C'est à toi en gros de les shooter avant, quoi. Alors, ce qu'on peut apprécier quand même dans le jeu, c'est que tu peux faire... Moi, c'est la première fois que j'ai fait ça. Mm-hmm. J'ai fait un 360 degrés. Oui. Autour de moi-même, et donc tu vois le ciel et puis même le soleil, et tu reviens en fait sur l'île en arrière-plan d'ailleurs, donc vraiment bien. Et là, c'est parce que je m'approche trop de l'île, c'est ça? Oui, non, mais là en fait tu fais bien, mais tu as les flèches jaunes qui t'indiquent à la direction des ennemis, c'est-à-dire que là je conseille plutôt à gauche pour trouver les ennemis. Ah, bah tiens, voilà, ils sont là. Donc, on entend, je ne sais pas si tu entends les bruitages des missiles, le lancement des missiles. Dès que les ennemis arrivent, tu as pareil des bruitages. Ce sont les bruitages originaux. D'accord, des dessins animés. Des dessins animés. Hein. Donc voilà, il y a aussi autre chose dont je dois parler, en fait. C'est la barre de vie. En fait, tu peux te faire toucher plusieurs fois. Ouais. Tu ne meurs pas tout de suite. En gros, ça t'enlève la moitié d'une portion. Je sais pas si une, deux, trois. En gros, on va dire qu'il y a 10 portions et ça t'enlève la moitié d'une portion seulement. Donc, t'as vraiment. C'est un jeu assez facile quand même. D'accord. Tu vas t'en rendre compte par la suite. Surtout que là, on est en mode normal, on n'a pas été dans les options. Mm-hmm. En se mettant en mode hard ou même very hard, on aurait pu. Mais là, tu te prends un missile, tu perds deux carrés directement. Il y a beaucoup plus d'ennemis. Donc voilà, alors le but, c'est dans cette mission là, c'est seulement de tuer tous les ennemis. Alors, d'accord. En gros, il y en a 20-25, pas plus. Ok. Il y a 20 vaisseaux ennemis. Ce que je voulais te dire, c'est en haut à droite, mm-hmm. là pour l'instant, il te reste 700 missiles, donc c'est vraiment largement. Et à côté, en fait, tu as en gros des torpilles, on va appeler ça des super missiles, que tu peux déclencher également. Mais là, ce sera plus. Pour les prochaines missions, où là tu vas avoir des vaisseaux beaucoup plus colossaux que tu vas devoir bombarder en fait tu vois, avec plus de force, quoi. D'accord. Ça va au niveau de la manipulation, je commence, oui. En fait, elle est assez simple. Finalement, tu n'utilises pas tous les boutons de la manette. Voilà, il n'y a que le bouton, que le rond et la direction. Le bouton, la croix directionnelle. Eh bien, ça y est, le test de Macross sur PlayStation 2 est terminé. Divoire Lux, qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeu? C'était assez sympa. J'ai pas eu le temps d'en profiter suffisamment. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais un peu perdu parce que j'ai du mal avec
les jeux où il y a des vues subjectives, où il faut se repérer dans l'espace. Surtout que j'avais l'impression que c'était plus compliqué à jouer. Et donc j'ai essayé vraiment d'utiliser toutes les, tous les boutons de la manette. Mais en fait, tu m'as un peu guidé et j'ai compris qu'il n'y avait que le stick et le rond. Donc au final, c'était assez simple. On rentre assez vite dans le jeu une fois qu'on a réussi à comprendre où sont les ennemis, comment viser et où tirer. Sur la fin, j'en ai touché 5 d'un coup, alors qu'au début, je galérais pour essayer d'en toucher un. Donc, sympathique et aussi, comme tu disais, la musique, elle est vraiment immersive et elle apporte vraiment de l'ambiance. Elle stresse aussi à certains moments. Et donc, oui, ça, c'est pas mal. Voilà. Alors, toi, Alix, tu es donc de Kazé. Qu'est-ce que tu peux nous dire, en fait? C'est quoi Kazé, pour ceux qui ne connaissent pas? Alors Kazé, c'est un des éditeurs historiques de manga et d'anime en France et qui s'est petit à petit développé en intégrant Asukai, un éditeur de manga, qui s'est développé en créant une chaîne télé Kazé TV, ensuite en créant un site de VOD d'anime en streaming, etc. et qui a ensuite été racheté par Viz Media Europe, qui est une société qui appartient aux trois plus grands acteurs de l'animation et du manga au Japon, qui sont Shueisha, qui sont les éditeurs de Naruto, One Piece, etc. Et Shogakukan, qui est aussi, on va dire, l'équivalent de Hachette en termes de puissance et de groupe éditorial au Japon. Et Shopro, qui est, on va dire, une société d'édition de merchandising, qui s'occupe de, par exemple, de tout le licensing et le merchandising de Pokémon et tout ça. De Doraemon, etc. Pokémon, tout ce qui est, voilà. Donc, c'est Kazé maintenant fait partie de ce grand groupe Viz Media et les trois gros éditeurs du marché japonais. Et toi, tu fais quoi alors à Kazé? Alors moi, je suis au département marketing et communication. Je m'occupe de toute la promotion et de la communication online. Donc, je fais beaucoup de travail de communication, réseaux sociaux, community management, customer relationships, et aussi pas mal de travaille beaucoup avec l'équipe sur tout ce qui est promotion et marketing digital. Alors, ça veut dire qu'il y a un site Kazé, non, sur Internet ? Il y a un site Kazé, kazé.fr. Kazé.fr, d'accord. Voilà, qui fait partie d'un portail de sites qui regroupe toutes les activités du groupe. D'accord. Voilà. Très bien. Oh, bah, c'est complet. Hein, c'est vraiment très voilà. Bien. Merci beaucoup, Merci Cyril, à vous, pour avoir fait ce test. Et donc, à bientôt pour un prochain Anime Games.